On a fait pleurer le pays. On a senti cette douleur. Tu reviens de loin, tu reviens de l'enfer. C'était un coup très, 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 très dur. On est revenu parmi les vivants. Il fallait créer de l'histoire et c'est ce qu'on a fait. Énorme d'organiser la CAN chez soi et puis de défendre ce titre-là à domicile avec toutes les équipes qu'il y a aujourd'hui. En termes de pression, c'est pas tous les joueurs qui peuvent assumer entre guillemets une CAN à domicile. Avec beaucoup d'énergie, de pression positive parce que c'était le match d'ouverture chez nous, dans notre stade. Il y avait le stress, l'adrénaline, match d'ouverture. On est à la maison, il ne faut pas se louper, quoi. On s'encourage à chaque fois. Il y a quelqu'un qui vient d'abord, on s'encourage à chaque fois. Avec Evan, on parle. Moi, je vais vous parler derrière, je vais vous parler. Sans stress. Première canne, sans stress. On est chez nous aussi. Hein? Prenez confiance, les gars, tout doucement, on va rentrer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va très, très bien se passer, je vous le dis, moi. La dalle, les gars, la dalle. Aujourd'hui, c'est le début de l'histoire, les gars. On rentre dans l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comment on va rendre ce jour-là spécial? C'est pas la victoire, les gars. Chacun, dans son registre, il fait ce qu'il a à faire. Quand moi, je regarde Ghislain, il faut que je sente qu'il va faire le boulot derrière moi. Bamba, derrière toi, tu sais que t'es un bonhomme. Tu peux aller sans crainte. Grasso, derrière toi, il y a des guerriers derrière. Vas-y, sans crainte. Et pareil, chacun a son poste. On donne tout. Il y a le peuple qui est là, il nous regarde. Il y a nos familles. Aujourd'hui, on n'a pas trop passé à côté de ce match-là. Et les matchs de CAN, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de non, bon, le prochain. Non. C'est maintenant. On prend les 3 points aujourd'hui et si on peut, avec la manière. Alors, éteins-toi! Bravo tout le monde.
Il n'y a pas de petites victoires, bravo les gars. Première étape, c'est boucler encore 6. Ça va être long la route. Hein. C'est jamais facile. Oh là là, c'était leur dernier match. Hein, hein? Dernier match. Dernier match, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est fini. Elle a souffert. Elle a souffert. Vivez heureux, soyez fiers. Fiers de ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui nous attendaient. Ça n'a pas été parfait, on le sait. Il reste du travail. On est humble. Humble dans le travail. On le sait qu'il reste du travail. OK? Mais franchement, bravo. Je pense qu'on commence tranquillement, mais on gagne ce match qui est important pour nous mettre en confiance dans la compétition. Le plus important, c'était de bien entrer dans la compétition collectivement. Et on l'a bien fait, on a pris les 3 points. On a gagné 2-0. Ça lançait bien notre compétition et c'était le plus important pour nous. Bien sûr, mais il y en a plein qui ne le voient pas. Et même, t'aurais pu de pas rien. Ok, bon. Tu peux pas décider, c'était écrit comme ça. Là, tu te sens inutile. Tu te sens frustré. Tu vois, dans une compétition comme celle-ci, tu sais que bah, t'as besoin de tout le monde. Donc, le fait de pas pouvoir apporter ce que t'aurais aimé apporter, bah, forcément, c'est frustrant, tu vois. Mais bon, après, c'est. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Comme on l'a dit, il faut réussir à l'accepter et faire preuve aussi de résilience, encore une fois, pour que au moins je revienne le plus vite possible et que je puisse faire ce que je veux le plus vite possible. Tu vois. Je t'en rends compte, c'est quelque chose que nous le voir. Les gens, vous savez, ne le voient pas. Sébastien, merci beaucoup, petit à petit. On se resserre encore plus. Tranquille, tu ne commences pas à partir dans tous les sens. Attends, allez, tu es. Mais là, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est tout ça là. On est là, on n'a pas mis ça, c'est bien. Tu vas rater. Non. Bonne attaque là. Oui, joli, les amis. Voilà. Quand on gagne les petits matchs aux entraînements, il y a de l'ambiance déjà. Alors là, à domicile, le premier match, on était tous contents. La danse, ça fait partie de nous, tu vois, l'ambiance, tout ça. Donc on était bien, on a profité, on a savouré. C'est la première séance dans le groupe, une séance basse intensité, mais c'est pas négligeable. Surtout pour eux, ils ont l'impression de revivre un peu. Mais bon, il faut être encore un peu patient. Voilà. Tu retournes pour rapport même après le temps. Ouais, parce que sinon, là, j'aurai pas le temps si j'ai pas maintenant. Il a tout mis en œuvre pour revenir vite. C'est vrai que des fois, quand on s'entraînait, lui, après, il rajoutait encore un travail de course pour que physiquement, il soit le plus près possible. Je faisais de la course pour rester fit, pour entretenir en tout cas le corps et avoir le souffle. Parce que si tu as plus mal à la cheville, il faut pouvoir aussi jouer et encaisser des minutes. Solution.
C'est une défaite, hein. Voilà, c'est fini. Faut évacuer. Hein. Le prochain match est le plus important. Ça fait mal à la tête quand même, des fois. Ça fait mal à la tête. Donc si on se loupait là, on savait que ça pouvait être fatal. Là, il y a plus de pression quand même. C'est pas les lendemains les plus faciles, mais bon, il faut passer à autre chose. Il nous faut préparer le match qui arrive dans 4 jours, donc il nous faut mettre en œuvre la meilleure récupération possible. Ça ne diffère pas énormément d'un travail victoire ou pas victoire. Mais on sait que les têtes sont un peu plus difficiles à soigner à ces moments-là, mais bon, il faut vite tourner la page. Ça nous prépare. D'abord, on a notre destin entre les mains. On était triste après, mais on se disait qu'il y avait le troisième match. On allait se rattraper là-dessus, on allait se qualifier. On était quasi sûr de celui-là. Perdre mon temps ici, en fait. Je peux pas venir juste discuter un petit peu avec les gars, prendre mon temps, vivre. Non, la CAN, c'est... On sait pas jusqu'à quand ça va durer. La mobilité, ça va? Non, la mobilité, ça va, c'est de mieux en mieux. On renforce sa cheville. Pour que sur le terrain, il ait moins d'appréhension et que sa cheville soit plus solide. Ça, il y a une semaine, il était incapable de le faire. J'ai envie d'être sur le terrain, mais franchir les étapes les unes après les autres. Voilà. T'es à domicile, t'es à la Côte d'Ivoire, tu viens de perdre contre le Nigeria. Tu te dis, mais tu vas peut-être... Tu vas peut-être te faire éliminer au premier tour de ta CAN. Pour la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Là, il y a plus de pression quand même. La veille du match, il y en a qui ne dorment pas. Si on se loupait là, on savait que ça pouvait être fatal. Trust me. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Les Ivoiriens qui arrivent, il y a quelques minutes à peine, à ce stade des BMP. Oui, la Côte d'Ivoire est attendue, cette équipe des éléphants est attendue. C'est un grand jour, un grand moment pour cette équipe. Va-t-elle se qualifier pour les huitièmes de finale? Va-t-elle être éliminée de sa Coupe d'Afrique des Nations? You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Let's go, let's go, let's go. Yo. You don't impress me, so don't test me, nah. Depuis le début, on est en mode tranquille. Là, ce soir, il n'y a pas de tranquille, les gars. Il n'y a pas de tranquille. Hein? Il n'y a pas de tranquille. Il y en a qui rentrent dedans, tout le monde vient. Il y a un problème sur le terrain, tout le monde vient. Faut qu'on le sente maintenant. Là, on y est maintenant, là. On ne peut plus se fâcher. On y est, c'est mort, on y est maintenant. Et personne ne va voter ce soir. On est tous autour à voter pour ce soir. Hein? Vous êtes des hommes. On vous fait confiance. On a envie de voir personne douter de cette équipe-là. Personne, que ceux qui soient sur le banc, dans les tribunes, pour le pays, personne ne doit douter. Et pendant 10 minutes, on doit les harceler. Pendant 10 minutes, ils doivent savoir que ce soir, c'est mort. Parce que moi, j'ai rien à dire. J'ai rien d'autre à dire. Je connais vos qualités. Mais il faut qu'on aide. Switch on. Direct. Les autres matchs, on est rentrés tranquillement. On attend, on regarde. Il ne faut plus regarder, là, les gars. C'est un lien maintenant. Il faut envoyer un signal fort ce soir. C'est-à-dire, quand on dit signal fort ce soir, c'est en groupe.
sur le banc, il y a une faute, je veux voir tous les adjoints à se lever. Je veux voir tout le monde ensemble. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, ce soir, ils ne vont rien faire du tout. Moi, je vous le dis direct. Okay? Parce que je vous sens là, je sais quand je vous regarde tous là. C'est pas pareil que le premier match, je vous ai mal. Je vous sens tous. Je vous sens tous là. Bon match, les blancs, les blancs. Match cauchemardesque pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Humiliés sur sa pelouse par la Guinée équatoriale qui les écrase 4 à 0. D'avoir laissé tomber le peuple. On se sentait lâche, on se sentait comme des traîtres. On a vendu la nation. Comment tu peux prendre 4-0 à domicile face à la Guinée équatoriale? 4-0. C'était terrible, c'était vraiment terrible dans le vestiaire, voilà. Il y avait un silence complet. C'est un jour de deuil. T'en as plusieurs qui sont dans un coin en train de pleurer, t'en as d'autres qui se cachent. Tout le monde est effondré, hein. Tu vois les jeunes, ils sont par terre, ça pleure, c'est catastrophique. Il y en a qui consolent d'autres, comme si c'était déjà terminé, tu vois. Et on pensait que c'était terminé. Silence de mort. Silence de mort. Personne ne pouvait parler. Nous sommes avec vous, les gars. C'est un naufrage et c'est une grande déception ce soir. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. Dans l'ensemble, on a quand même bien débuté le match. On a mis ce qu'il fallait pour être au rendez-vous. Et puis à la fin, il y a 4-0 et tu remets tout en question, je vois. Donc, franchement, ce soir, c'est compliqué. Ça va être difficile de pouvoir dormir. Mais voilà, il y a encore un espoir. On va attendre les autres matchs. Cameroun va avoir un point. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est match nul. C'est tout. Match nul des deux équipes. 0-0 et 1, là, la Côte d'Ivoire passe. C'est le naufrage des éléphants. C'est le naufrage des éléphants. Hein? L'humiliation. L'équipe a été négative dans l'ensemble. Elle n'avait pas d'âme. C'est grave. C'est grave. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Oui, il n'y a pas grand-chose à marcher. Au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, au niveau de la défense, ça a été vraiment un fiasco. Tout a été vraiment... Les efforts n'ont pas été à la hauteur dans tous les secteurs du jeu. Il a manqué la niaque. Ils n'avaient pas, comme s'ils n'avaient pas la volonté de jouer pour plaisir aux Ivoiriens. Vraiment, ils nous ont vraiment déçus. Mais on prie Dieu pour que ça puisse, on puisse avoir encore une autre chance pour pouvoir passer. Je n'ai pas pu bien dormir parce qu'on ne s'entendait pas à ça. On ne s'entendait pas du tout à ça et j'étais vraiment abattu. Par eux, bon, on s'est vu écraser, on ne nous a pas battu, mais écrasé. Bon, ça nous faisait honte, c'est l'humiliation pour notre pays. On comptait sur les éléphants pour prendre cette canne, mais malheureusement, bon, pour l'instant, on n'est pas encore, on n'est pas encore éliminé. Hein. Il y a la place de meilleur troisième. Bon. Vous y croyez encore? Ah, découragement n'est pas ivoirien, le jeu. On prend le coup là. Dans toute humilité, je pense que quand vous échouez lamentablement comme ça, la moindre des choses, c'est vraiment vous cacher, partir. Ça peut être un peu fort, mais c'est comme ça. Et après un tel échec, donc moi, c'est la démission. Nous, on se réveille, il y a rendez-vous, il y a un coach qui est là, il y a tout le staff. Avec tous les joueurs, et là, le président, avec le coach, c'est tout qui nous annonce que voilà quoi, que ça sera fini pour lui. Et... En parlant, il commence à fondre en larmes, tu vois. Et il sait, la salle, elle est détruite, tu vois, ça pleure partout, tout le monde commence à pleurer. C'était vraiment triste. On a vu, il y a beaucoup dans l'équipe qui ont craqué, et c'est normal. Pour moi, pas, c'était émouvant, et c'était compliqué aussi, très compliqué. Je pense que le coach appréciait tout le monde et je pense que tout le monde l'appréciait, le coach. Voilà, c'était quelqu'un de bien. Jean-Luc, c'est une très très bonne personne. Il vivait très très mal le fait
de se sentir responsable de tout ce qui se passait, en fait, du chaos qui régnait dans toute la ville, même dans tout le pays. Il avait cette culpabilité et je pense qu'il avait besoin de nous soulager, de soulager aussi le peuple en assumant la responsabilité, en mettant toute la faute sur ses épaules. T'as l'impression qu'un jour, ça dure cinq jours, ou ça dure une éternité. Parce que on attend, on n'a rien, on n'a pas. On souffrait. C'était un peu bizarre, c'était toute la bonne humeur et toutes les bonnes choses qu'on avait faites par le passé, la semaine d'avant, bah tout s'est envolé. Tu vois beaucoup de personnes raser le mur, c'était compliqué. C'était peut-être l'une des périodes les plus compliquées depuis que je fais du foot, je pense. Quand t'as pas ton destin en main, c'est pas vivable. T'es comme ça, tu dis mais je veux rentrer chez toi. Ah mais non, en fait, il y a une chance. Ces trois jours-là, c'était long, interminable. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on n'a plus nos destins de nos mains. On va prier. On a une petite chance de se qualifier. Une petite chance, tu vois. Le classement des meilleurs troisièmes. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée, mais n'est pas encore qualifiée. L'Algérie ou Mauritanie passera mathématiquement devant la Côte d'Ivoire. Mais il faudra attendre demain les résultats de la Namibie et de la Zambie qui, toutes deux, peuvent passer devant la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, demain, il faudra être devant Canal Plus Cannes pour savoir donc si la Côte d'Ivoire est qualifiée ou pas pour la suite de la compétition. C'était une journée particulière pour moi parce que déjà, c'était mon anniversaire. Et j'apprends que je vais être nommé sélectionneur intérimaire. Quand j'ai commencé à entraîner, mon objectif, c'était... C'est ce que j'avais dit à ma femme et à mes fils. Moi, mon objectif, c'est qu'à mes 40 ans, je sois entraîneur principal au niveau professionnel. Et le jour de mes 40 ans, j'ai cette promotion. C'était une promotion avec un goût amer parce que c'était une promotion qui venait après le départ de Jean-Louis et dans une situation, dans un contexte où t'es même pas sûr d'être qualifié. Finalement, t'es même pas sûr de faire cet intérim. Je me présente, même si j'ai pas besoin de me présenter, que vous me connaissez tous. Donc, qui sera avec nous sur cette nouvelle étape, sur cette mission. Très, très bien. C'est avec nous, il va nous accompagner. Et ensemble, on va okay. On a fait récupération hier. Profiter, on a vu les familles. C'est vos succès, ça nous a fait du bien. On va reprendre cet après-midi, séance, aérobie. Et on va finir quand même par du jeu. Okay. Pour finir, pour faire un peu de plaisir, pour retrouver la joie. Bien se réhabituer à marquer des buts. Et à jouer ensemble pour du plaisir. Okay. Là, aujourd'hui, le plus important, c'est le groupe. Okay. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait en groupe. La première séance à laquelle je participe, on l'a fait sans savoir si la compétition va continuer. Donc moi, j'arrive un peu, voilà, j'arrive de l'extérieur avec l'énergie, avec l'envie. Et le maire qui me dit, non, là, on va aller doucement parce que cette séance-là, c'est juste pour les faire sortir et faire en sorte que, bon, voilà, on fasse quelque chose qui se bouge quand même un peu, mais sans être trop exigeant, sans trop de contraintes, parce que, voilà, c'est juste un peu pour se vider la tête en attendant les résultats futurs. Hier, vous allez soigner les têtes avec les familles. Allez, on va commencer à prendre un peu du plaisir en retouchant le ballon. C'est bon, coach? Parti, les gars. Parti. Imaginez qu'à l'espace, je rentre bien dans mon ballon. Voilà, ça m'intéresse. Permettez à vos amis de lire. C'est prêt. Franchement, ça ressemblait à rien. Personne n'était vraiment présent à l'entraînement. Donc, c'était un peu bizarre. On avait hâte de rentrer à l'hôtel et de. Ouais, d'attendre et d'être fixé sur notre sort. Quand tu veux. La Côte d'Ivoire qui va devoir attendre des matchs de 20h GMT pour espérer se qualifier. La Namibie, 4 points, conséquence dans cette fameuse course. Au meilleur troisième, à 20h, il y aura ce fameux match entre le Maroc et la Zambie. Si le Maroc bat la Zambie, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Tout autre résultat, un match nul ou une victoire zambienne. Et la Côte d'Ivoire regardera la CAN sur Canal Plus CAN. Regardez dans le dos. La fin de match a été très 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 difficile, très long.
J'avais l'impression que le match, il avançait pas, que le chronomètre, il tournait pas, mais voilà, c'est un soulagement. Et c'est terminé. Le coup de sifflet de monsieur Mebiamé, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va gagner ses trois petits points, qui fera partie des meilleurs troisièmes et qui sera en huitième de finale pour y affronter le champion en titre sénégalais. Comme je l'ai dit, c'est un poids qu'on a sur nous depuis lundi. Après, avec ce qui s'est passé aujourd'hui aussi, c'était une journée émouvante. C'était une journée compliquée, émouvante, lourde. Donc c'est vrai que la victoire là du Maroc qui nous qualifie nous permet de respirer un peu. On est là, putain, zéro maintenant. Hé, on reste pas chez nous, on est là. C'est bien pour le pays, c'est bien pour les joueurs parce qu'on a une chance, une deuxième chance de montrer que c'était un accident et de se racheter. On est qualifié, on va aller en finale. Merci Maroc. La Côte d'Ivoire pourra aller loin dans cette CAN. Bonjour. Ça va? Voilà, on va se couper les cheveux. C'est vrai, c'est un responsable. En train de dégrader, bas. T'es souvent poussé, chez eux. Ouais. Depuis 2019, et ça 2019. Amitié de 15 ans, 20 ans. T'as fait gâté. On va t'amuser quoi? Non, je suis déjà en mode, sans beaucoup. En mode, tu vas composer cette équipe là, tout pété, tu vois. Oh, my God, ouais. Tu vois, c'est comme ça, là. Faut pas être trop beau pour le match. Comme ça, l'adversaire, il a peur. Les gars, on a bien bossé hier. Ok, c'est bien. Ça veut pas dire qu'on a bien bossé hier, qu'on doit rien faire aujourd'hui. Et toutes 20 minutes d'échauffement pour monter en puissance. Et après, on fera un travail. Solution. Ok, de finition, on va mettre de vérité, coup de vitesse. On va aller signer et on va marquer. Ok, les gars. On met de la qualité, de la concentration, on met de l'exigence. Hier, c'était bien, on reste sur cette lancée. Jean-Phil, Karim, Drissa, Laza, ici, et vous passez dans cet ordre-là. Allez, c'est parti, les gars. On enchaîne, allez. Là, tout de suite. Ouais. Tueur, les gars, on finit. Trouve la zone cible. Parfait, ça m'intéresse. Vous avez moins un, ils sont passés à zéro, les oranges. Voilà, ça c'est un bon ballon. Allez, voilà, quand ils ratent des buts, ça leur fait rire. Moi, ça me fait pareil. C'est pareil parce que quand contre la Guinée équatoriale à 0-0, on rate une occasion devant le but, là, ça fait rire personne. Parce que derrière, on en prend 4. Donc, c'est pas parce qu'on dit travail de finition, c'est tranquille. C'est pas pour ça qu'on doit être là, en vrai. Faites les choses sérieusement. Emers l'a apporté avec son staff, ils ont apporté un changement dans le sens où voilà, c'était de remettre un peu de fraîcheur dans le groupe, de remettre de l'énergie, de remettre une base. C'était facile parce que on avait cette relation-là de grand frère petit frère. Et on était dans la vérité en fait. Il savait comment on était, il nous connaissait tous, il savait tout. Donc et nous aussi on était prêt à lui faciliter la tâche. Vraiment, le plus important, c'était l'état mental, quoi. Ben, il fallait soigner les têtes, parce que même si les joueurs étaient pour la grande majorité aptes physiquement, il fallait déjà que mentalement, ils puissent oublier ce qui s'est passé, mettre un peu de confiance, leur rappeler qui ils étaient, qui ils sont et qui ils représentent. Et ça, ça a été quand même très important. Et c'est ce qui a été fait sur les premiers jours jusqu'au match. Le groupe a totalement changé
Et même la mentalité a totalement changé. À partir des huitièmes de finale, tout le monde s'est mis en mode commando. Tout le monde avait le même objectif. Après une claque comme ça, faut partir. Faut partir, faut pas rester. Il fallait qu'on bouge. Il fallait qu'on bouge un peu de bimper. Gros, ça a été une chose positive, je pense. Hein. Parce qu'à Abidjan, il y a un peu étouffant, je trouve, à un moment. En arrivant à Yamoussoukro, avant d'aller à l'hôtel, on s'est arrêté dans la maison du président Félix Houphouët-Boigny. Et nous souhaite tous la bienvenue. Et merci d'avoir une idée pour le président de la République en passant ici, avant de faire quoi que ce soit. Et la terre de Yamoussoukro vous dit bonne arrivée et merci d'être là. C'est une grâce pour nous, pour ces jeunes gens qui souvent sont en Europe, qui vont avoir l'occasion de venir saluer le président et lui confier la suite de la compétition. On est dans la symbolique. On est venu saluer le premier président de notre pays. De nos racines en Afrique sont celles de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je vous demande de prendre chacun une minute pour se recueillir à lui. Être reconnaissant à celui qui est là, qui a fait de notre pays le pays où nous vivons et dont nous sommes fiers. Voilà, on a bien récupéré, bien travaillé. Voilà, on va mettre les ingrédients ce soir. Puis on verra. Dieu va nous aider. Si toi tu me montres comme ça, vous êtes dur. C'est chaud. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça hier, on n'arrivait pas à faire ce truc. C'est moi, au début même, je suis descendu pour aller mes gens. Une décale à gauche, comme ça, tu es à droite. C'est mieux comme ça. Vous avez un plan pour ce soir? Inch'Allah. Comment tu te sens, Imrata? Ouais, bien. Hein. Bien. Ça va. On est bien costaud. Tu connais. Après, on va s'expliquer sur le rectangle. Les gars, ça y est, on y est. Depuis mercredi soir, et dans les portes du Maroc, on attendait ce match avec impatience. Ok, là on y est. Donc maintenant, c'est notre heure. Ok, donc on est des guerriers, on est des éléphants. Ok, on est des éléphants. On remet les pendules à l'heure. On montre à tout le monde, du foot, que ce qui s'est passé sur le premier tour, c'était qu'un accident. Et qu'on est prêt à montrer le vrai visage de la Côte d'Ivoire, le vrai visage de notre équipe. La base de notre succès ce soir, c'est l'état d'esprit qu'on va mettre. Quand on a le ballon, on est vivant, on met du rythme, qu'on les oblige à descendre en allant vers leur but, on va leur faire mal. Il faut qu'on ait cet état d'esprit de tueur, faire mal,
Quand votre duel sérieusement. Votre duel peut faire mal, votre duel pour récupérer le ballon. Et dans les attitudes, dans la posture, on est confiant, on est sûr de nous. Et on fait peur, dès qu'on arrive au sac, on fait peur. Ok les gars, bon match à tous. Le Sénégal ne nous prenait pas au sérieux. Une équipe qui vient de perdre 4-0. Moi, je suis Sénégal, je suis un joueur du Sénégal. Je me dis, wow, on va les tuer. Ça va être un match facile. Ils vont pas se réveiller contre le Sénégal. Tu es censé sortir, tu es dernier, meilleur, troisième. Tu tombes sur le Sénégal. Mais je pense que le Sénégal, c'était pas un bon tirage pour eux. Tomber contre la Côte d'Ivoire, je pense pas que c'était un bon cadeau. On est des éléphants. Ok, j'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants, les gars. J'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants. On est un troupeau d'éléphants, on est ensemble, les gars. On est ensemble, là. Et ça commence maintenant. On voulait faire des changements, mais d'abord des changements tactiques. On voulait trouver plus d'équilibre dans notre équipe. Et on voulait apporter aussi plus de sécurité dans notre équipe avec des joueurs qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience. On a mis Mika Seri au milieu devant la défense parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup de sérénité. Et on a aussi voulu mettre Max parce que pour nous, Max, c'était le relais idéal entre les joueurs et le staff. Max, c'est le grand frère qui a déjà remporté la CAN. En 2015 et qui est venu avec toute son expérience et toute son envie. On ne prend pas de risques, d'accord? Les autres, on sera disponible, on aura les passes faciles. C'est important, ça. Vous pouvez le faire, parce que vous êtes les meilleurs. Les gars, le pays a confiance en vous. On vient d'aller très loin, c'est pas pour finir maintenant. On veut aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on se rend minable pour son copain. Allez les gars, de dehors, si on va vous donner la force sur le terrain. Allez, force à tous. Du match, c'est un ouf de soulagement, tu sautes dans tous les sens, presque tu maîtrises même plus ton corps en fait, tu, c'est ton corps qui parle seul. On continue, viens sur moi qui maintenant. On savait que si on battait les champions d'Afrique, je pense qu'une partie du public allait nous pardonner. C'est ce qu'on a fait. Voilà, on a mis du cœur. Dans la souffrance, mais elle est très très belle. Oui. Sortir les champions d'Afrique comme ça, c'était incroyable. C'était le début de l'histoire, je pense. Je n'ai pas pour habitude de parler après les matchs. Mais franchement, aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier de vous. Vraiment, j'étais sur le terrain, j'ai deux doigts de craquer. C'est la première fois de ma vie que sur le terrain, j'ai les larmes. On n'a pas encore gagné, mais je savais que ça allait venir. On a passé une semaine difficile, quand je dis difficile, dans tous les sens. Il y en a qui étaient dans un truc bizarre, il y en a qui étaient dans un mauvais mood. On a mis du temps avant de rentrer dans ce changement-là. Mais franchement, ce soir, j'ai vu des bonhommes avec des grosses couilles. Mais quand je dis des couilles, des putains de couilles. Couilles d'éléphant. Des corps. Des coronesses. Et ça, tu peux même foutre même pas. Des grosses putains de coronesses. Des couilles d'éléphant. Et les gars, Wallahi, Bilay, Tala, je suis fier de vous. Bien joué, les gars. Après le match du Sénégal, on a vu la vie des Ivoiriens
qui était en train de changer, qui passait de la tristesse à un peu de joie. Il sort le champion d'Afrique. Je suis ivoirien, je connais le public, je sais que ça change tout. Ça change, à partir de là, ça change tout. Tu avais peur quand la vie t'a sifflé. Mais il n'a pas essayé de t'intimider. Non, lui bouge. Et il sait comment je tire. Donc, moi aussi, je le regarde, j'attends son pied, j'attendais son pied d'appui. Ouais, quand j'ai vu son dernier pied d'appui est venu au sol, j'ai dit tiens là. J'ai dit tiens. En tout cas, on est avec toi. Oui, bien, c'est un soulagement et puis bon après. Et puis on a senti qu'il y a un truc qui s'est levé en vous. Ouais, en plus, mais après. Malgré le premier but. Ouais. J'étais persuadé que Franck, il n'était pas à son meilleur niveau. Depuis le début de la CAN. Pendant une belle affiche, une grande affiche comme ça, là, ne pas débuter, c'était un peu difficile, mais bon. J'avais envie de le piquer un peu pour le retrouver derrière très, très fort. Je me suis remotivé et je me suis dit, tu peux être dehors et faire la différence. On est vraiment content d'avoir pris cette décision parce que derrière, il fait une CAN juste exceptionnelle. Encore félicitations pour hier. Okay, c'est bien, vous avez demandé d'être des hommes. Vous avez demandé d'être des éléphants, vous avez été des hommes, vous avez été des éléphants. Donc très très bien, félicitations. Maintenant il y a un souci, c'est que vous avez mis la barre tellement haute, que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Ok, donc on reste concentré, on va bien récupérer aujourd'hui et demain. Okay. On n'oublie pas d'où on vient. Okay. On n'oublie pas d'où on vient. Et on n'oublie pas comment on a fait pour faire ce qu'on a fait hier. Ça a coûté 15 millions. Tu vois? Jean, il y a dans le temps. Moi, je perds, c'est le pays. Mais même très souvent, ils ne peuvent pas marcher. Paris, ils ne peuvent pas non plus. S'il vous plaît, je vais faire comprendre. Allez, arrive-là. Viens! Allez, tac! Voilà. Les conseils, c'est de ne pas aller trop tôt, d'attendre au dernier moment pour partir. Sur cette séance des tirs au but, je pense que j'ai pas été super bon parce que je donnais la solution aux attaquants. Même si je n'ai pas arrêté, voilà. J'espère que j'en arrêterai un. Quand tout le pays attend ce genre de situation, c'est toi le patron, en disant au fond de soi, je dois l'arrêter. Attends le bassement, laisse qu'il arrive au ballon, Reste le temps, tu vas voir. Si toi tu vas voir ton mouvement de corps simplement vers là, tu vas l'avoir. Il est senti plus vif aujourd'hui, il va chercher, sa vitesse de réaction a augmenté un peu. Je travaille depuis le début de la compétition sur les pénaltys. Je sens que je commence à progresser, donc si demain on va au pénalty, j'espère arrêter un ou plusieurs. Ça permettrait de donner la victoire à l'équipe. Sa dose. Et là, nous sommes vraiment très, très fiers parce que nous savons très bien que la Côte d'Ivoire vient de se réveiller et à tous les coups, la Côte d'Ivoire va vraiment gagner ce match-là pour montrer que vraiment les éléphants, nous sommes aujourd'hui là et nous serons toujours là. C'est fini.
Chai, mon frère. Viens revenir à la porte de la peur de la mort. On va avancer tout droit. Troisième étoile, troisième étoile, ça vient. C'est un bout de troisième étoile. Quand on a peur de Mali, ce sont nos enfants. On va les fesser normalement, proprement. La grande c'est la meilleure. La meilleure équipe. Bonne chance. Jouer le Mali, c'est toujours un derby. Un pays voisin, un pays frontalier. Il fallait un vainqueur pour départager le peuple. Personne n'en parle, mais c'était une des meilleures équipes du tournoi. Comme on a dit, voilà, on ne pouvait pas mourir deux fois. On respectait tout le monde, hein. On ne craignait personne. Les gars, pas ça compliqué. Ok, quand je vais défendre, la bonne orientation, c'est aussi de la communication. Parce que tout de suite, mon copain, il sait où se placer. D'accord ? Important de défendre, c'est moi d'être juste. On est prêt à courir. On est prêt à souffrir ensemble. On est prêt à attaquer ensemble, les gars. Combat, les gars. Et puis dommage, moment clé, les gars. Premier quart d'heure, on va jouer dans leur camp. On gagne les deuxièmes ballons. On joue dans leur camp, les gars. On joue dans leur camp. C'est mieux. Encore mieux. Parce qu'on est compétiteurs. Allez, concentrez les gars sur le banc. Prêt à tout, on va rentrer à toute minute. Aujourd'hui, on se doit d'être plus fort que collectivement. C'est le minimum. Il faut absolument qu'on fasse une bonne entame de match. La compétition est belle, on va aller au bout. On y va au bout. C'est le moment. C'est simple aujourd'hui. On va jouer avec l'expérience. On est patient. Mais quand on récupère le ballon, des tueurs, les gars. Des tueurs. On gagne ce match, s'il faut avec la manière, et on rentre à Abidjan, on ne se prépare pour la demi-finale. On ne peut pas passer à côté de ce match. Pensez, comme on avait mal il y a moins de 10 jours, mettez-vous ça dans la tête. À chaque fois que vous allez faire des efforts et que vous serez fatigué, pensez que c'est mieux de souffrir avec ces douleurs-là pour éviter la douleur des défaites. Bon match, les gars. Allez, les gars. À Boaké, on a ressenti un truc incroyable. C'était magnifique. Et c'est donc parti, les Aigles du Mali qui lancent ce quart. Descendez, terminé, la colère des Maliens, c'est encore un miracle. C'est inouï. Qui est le fou qui a réussi à imaginer des scénarios de dingue? C'est magnifique. Mais putain, ils nous font souffrir. Incroyable, c'est incroyable. On n'a pas abandonné, on arrive jusqu'au bout, on l'a fait et on continue l'aventure. C'est pas encore fini. Il faut arrêter. Notre cœur va tomber. Il faut arrêter. Bien. Il n'a pas fini. D'accord. Viens, Simon. Ça t'a pris. C'est bon, il y avait fui là. Ça fait quoi? T'as dû parler à tout le monde? Ouais. On m'appelle encore là. Allez, c'est bon. Non, c'est incroyable. Vu comme on gagne le match, c'est incroyable. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Toi, tu t'en mets. Jalousie, jalousie, jalousie.
Dans notre pays de 30 millions d'habitants, vous êtes les 27 athlètes qui ont été choisis pour porter les couleurs de notre nation. Donc vous êtes des élus. Vous êtes en train d'écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Dans 20 ans, dans 15 ans, vous allez raconter des émotions que vous seul avez pu donner à ce pays. Parce que demain, il y a une autre vie qui commence. Et on va repartir dans notre village de Maison Palmier pour pouvoir continuer ce combat. On part tête baissée, mais on revient tête haute. Voilà, on est parti d'Abidjan avec un score de 4-0. On revient à Abidjan avec une demi-finale. Alors on est une autre équipe, on revient plus fort. Quand on rentre à la maison, on est content parce qu'on a fait le boulot, on est content parce qu'on continue. On continue l'aventure. On n'est pas rentré à la maison pour récupérer nos sacs et rentrer chacun chez soi. Associé pour m'éliminer. Il joue moins, il parle beaucoup. Quand t'es pas concentré, t'es déconcentré depuis, t'es gagné. Là, il est en train de perdre, hein. Il parle plus, tu vois. Il est en train de perdre. Diogo, c'est fluide. La main gauche, tout ça, comme ça, tout ça. Ça c'est champion. Diogo, c'est champion. Le bango, le jeu, il est fini. Il n'y a plus besoin de jouer. Pourtant, moi, j'ai envie de jouer. Il faut que ça continue. Pour lui, la canne est fluide. Voilà, c'est ça. Peut-être faut jouer jusqu'à la finale. Diogo, Les gens ne sont pas trop lourds. Non, ça va, ça va. Ça va, faut juste se remettre des émotions comme pas tomber dans la forêt comme on joue dans deux jours déjà. Donc faut vite se remettre dedans et malgré la fatigue des 2 fois 120 minutes quoi. Et sinon, à part ça, tout va bien. Pas trop dur. C'est pas trop dur, c'est pas trop dur. C'est facile même. Quand tu gagnes, c'est plus facile de revenir à l'entraînement. Et quand tu perds, non, c'est pas trop dur. Je suis de mieux en mieux, donc ça devrait être utile, normalement. La première chose, un grand, 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 grand bravo à tous. OK. Un grand bravo à tous. Vous avez fait samedi un truc énorme. Gagner un jour à 10, plus d'une heure. En étant mené à fin de la fin, revenir pour aller chercher la victoire avant les tirs au but. Bravo. Et la deuxième chose, c'est encore un jeune, c'est encore une erreur de jeunesse, c'est encore la naïveté. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joie, on marque à la 120e minute, alors qu'on est 10. C'est peut-être, hein, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent égaliser sur l'engagement, mais c'est peut-être le but de la qualification, donc on est content. Mais restez focus. Restez focus, on est déjà 10. On ne peut pas se permettre, hein. Encore, même si c'est la fin du match, même si après il y a des tirs au but, on ne peut pas se permettre d'être à 9. Sauf si on vient, on fait une faute, on est dernier défenseur. Pour sauver l'équipe, on se sacrifie pour l'équipe, pas de problème. Mais pas parce qu'on est content. Je voulais sincèrement m'excuser, même si on est d'accord que c'est pas un geste à prémédité. Mais dans l'euphorie, dans la joie et tout, les émotions prennent le dessus. Je l'ai retiré. Je suis conscient que comme ça, je viens de mettre en difficulté. Mais heureusement que bon, pas de but là-dessus et tout. Donc, je tenais réellement à m'excuser. C'est une erreur. Je pense que j'ai appris de cette erreur-là. Et c'est un peu sûr comme ça. Bravo. Merci. Bon. Tu vas être le plus gentil. Oui. Ok, donc la réanimation 4-4-1-1, ils ont beaucoup de mal à défendre sur tous les centres, que ce soit aérien, que ce soit au sol, que ce soit en retrait. Chancel, vous l'avez vu, il est parti de derrière, prend son élan pour arriver au niveau du point de penalty et joue le ballon de la tête.
encore une fois, il part de loin, hop, il arrive lancé. Donc nous, des idées, je dis bien des idées sur l'animation offensive qu'on peut apporter ce soir. Une autre solution, une autre idée, on décroche ici avec l'attaquant, on aspire un des deux défenseurs centraux pour après trouver nos excentrés qui ont fait une course de l'extérieur vers l'intérieur. Mais toujours dans le monde aligné. Ok, c'est des idées, je ne veux pas qu'on soit figé, je ne veux pas qu'on soit stéréotypé et qu'on se contente de faire que ça. Ok, après dans le jeu, c'est à vous d'inventer, c'est à vous d'imaginer, ayez de l'inspiration, faites. Ok, quand on a le ballon, faites des choses, ok? Ils me demandent, comme je l'ai fait contre le Sénégal, quand je vous ai demandé d'être des guerriers, quand je vous ai demandé d'être des éléphants, comme contre le Mali, où je vous ai demandé d'être des champions, à chaque fois, vous avez répondu présent. À chaque fois. Moi, aujourd'hui, je vous demande d'être ambitieux. Je vous demande d'être ambitieux. OK, on a montré sur les deux derniers matchs qu'on avait les ressources mentales pour revenir. C'est bien, c'est très bien ça, on garde. Mais aujourd'hui, on est ambitieux. On va imposer notre rythme à nous. On va les chercher. On ne les laisse pas jouer. Ils sont chez nous. OK? Ils sont chez nous. Et on leur montre qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour eux. La place en finale, elle est pour nous. Pas pour eux. OK, les gars? Bon match à tous. On n'a peur de personne, là, à ce moment-là. On revient juste pour tout casser. Aujourd'hui, c'est pas le Congo qu'on joue. C'est une demi-finale de la CAN dans notre pays. Une demi-finale. Il n'y a pas besoin de motivation. Aujourd'hui, quand on voit comment on est passé, tous ceux qui sont sur le banc ou qui sont maintenant en tribune, ils ont été d'une importance incroyable. Donc s'il vous plaît, les gars, aujourd'hui, on a un groupe. On se met minable pour le partenaire. On le fait ensemble. On reste disciplinés et on va faire le job tous ensemble encore une fois. On va chercher notre finale. On va la chercher. Tous ensemble, comme d'habitude. La RDC, c'était l'équipe un peu relou, tu vois. C'était pas simple à gérer. Il y a Fofana, ça revient encore une fois. On va être quatrième fléché. Et le coup de tête est... Va c'est une faute, je crois, hein, qui est signalée. Ouais, regardez ce qui se passe, c'est Cédric Bacan. Il n'y a absolument pas faute. Il n'y a absolument pas faute. C'est bien, c'est une petite alerte un petit peu. On reste concentré. Et puis, ouais, je pense qu'on les domine de bout en bout. Un petit peu d'espace. Le flexible, le concentré. Ouais, pour les nord, coup de tête de Sébastien Allaire. Il manque une occasion de la tête où je pense que je ne sais pas si le défenseur va la toucher, il ne la touche pas. Au final, je mets la tête un peu trop tôt et je la loupe, donc forcément tu dis à la CAN t'as pas un milliard d'occasions. Selon les plumes, ça, il faut que tu me fasses quelque chose. Okay. Parce que tu vois, si tu me la mets, c'est avec le terrain qui est le mieux. Pour moi, c'est que je la mets entre les états. Ouais, ouais, vas-y. Dès que je vois qu'il arrive. Les gars, il n'y a rien de plus dur avec la température à ce niveau de la compétition que de courir derrière le ballon. Donc faisons-le, soyons patients, faisons-les courir. Ils vont se fatiguer et à un moment donné, il va se passer un truc. Il y a Dingra qui va rentrer à l'intérieur, qui va se retrouver seul, il va se retourner, il va fixer, il va décaler. Soit sur Gis, il va décaler, soit de l'autre côté avec Maps, Singo il va passer, ça va centrer devant le but. À chaque fois qu'on a centré, les gars, on a été dangereux. À chaque fois qu'on a centré, on a été dangereux. Le ballon qui arrive, puis la balle rebondit sur le sol, je me dis ah mince. Depuis le début de cette partie, à savoir le jeu sur le côté, avec deux joueurs qui symbolisent cette domination, Singo et Gradel. Et là tu réalises tout vient en fait dans ta tête, par où t'es passé. Je me dis j'ai bien fait de faire tout ça, de casser la tête au kiné, de faire tout ce que j'ai pu faire pour la cheville parce que j'aurais peut-être pas pu vivre ce moment-là. Tout ce que ça représente pour les gens qui sont au stade, pour l'équipe, tu dis, voilà, t'as mis ton équipe à l'abri avec ce but-là pour atteindre la finale de la CAN dans ton pays. C'est exceptionnel, ça a pas de prix.
le gérer. On va le faire, on va le faire. On y va, finale là. J'ai fait ça. On est en finale. J'ai même pas de voix, j'ai pas de force là. J'ai pas de force encore. Je réalise pas. Regarder le match des tribunes, c'est spécial. Surtout en demi-finale de Cannes, c'est spécial. Chez nous à la maison en plus, c'est spécial. Je suis KO là. Je suis KO. La victoire, elle est pour les supporters, elle est pour nous aussi parce qu'on vient de loin. Et on espère en finale faire quelque chose. Mais ça va aller. Ils ont serré la vie, mais ils vont t'essayer. Seb, Boli, Uma, Nico, Adendra, Spa, Massa, vous choisissez en fonction de vos besoins. Never put me on the freeze, just look at how you spin it to me. It'll be out of right after I see. Give me the promise unless you the king. Jay with a baby, I am what he made me. No, you cannot save me, so it's for the birds. Buy full price, you ain't know what it's worth. Now you ain't gonna have to scoop on my purse. Rolling with heavy, he feeling kinda discouraged, cause he feeling down in the dirt. I told him heavy, you only need fame, because you were already doing the work. Life or death, this life is best. I'd rather see the vision bleed instead of the speed. You gotta breathe so you can be free, so you never need the ice and checks. Lost my debt, I gotta breathe, I gotta breathe. C'est pressé que demain arrive. C'est un grand jour demain. On a l'entraînement avant la finale. On a tout fait pour arriver à cette étape. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. La Pour le dernier entraînement, pour la dernière séance ensemble, donc c'est 45, 1 heure max. On refait un peu de pecs, on refait un peu de jus, on refait un peu de gaz et on est prêt pour le match de demain, les gars. Et vous êtes prêts pour votre finale, ok? Pour votre finale. Il faut vous ramener là, il faut garder là. Ce dernier entraînement avait une finale, donc la tension va monter petit à petit. Et là, non, là je dis, on est décontracté, on ne veut pas se mettre la pression trop tôt, donc on est décontracté, on prépare le match, on sait ce qu'on a à faire demain. Et qu'est-ce que tu veux, bloc bas ou médian? Bloc médian et bloc haut. Ok, donc ici peut-être plus marqué l'éventuel retour. Ouais, Seb okay. Là. D'accord. D'habitude on met Seb ici, mais je me suis dit que ça vaudrait le coup, vu les Golgoth qu'ils envoient, ouais. C'est mieux de le lancer. Ça le fait sur le plus. C'est bon, ça c'est bon. C'est bon. Dernier réglage. C'est le dernier réglage. C'est le dernier match, dernier réglage. C'est la dernière causerie de notre calme. La dernière causerie avant notre finale, avant votre finale. Comme je vous ai dit hier, maintenant, comme on en est arrivé là, c'est votre finale, c'est votre moment. C'est à vous d'aller écrire votre histoire. Ok, pour le pays, pour le continent. Donc, l'équipe qui va démarrer, Yaya. Dans les cages, Serge, à droite, capitaine, Ghislain, à gauche, Axe, Audi, Evan, au milieu, Mika, Sentinelle, Franck, Seco, en 8, Max, à droite, Simon, à gauche, et Seb, en pointe. Soyez vivants, mettez du rythme. Même dans les temps faibles, mettez du rythme. C'est 2-3 touches tard, je contrôle, je donne. Même si je suis en train de préparer, ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, je vais attaquer pour marquer. Mais le ballon, il circule. Et pendant ce temps-là, mon adversaire, il couvre.
Et pendant ce temps-là, mon adversaire il se fatigue. Et à l'usure, on profitera des espaces qu'ils laisseront. Les gars, bonne finale à tous. Ouais. J'ai demandé à Tli une finale de Cannes dans son propre pays. C'est pas donné à tout le monde. Non, on n'a pas le droit de se louper, les gars. On n'a pas le droit. On a tout un peuple derrière nous. Le respect qu'on peut donner à nos coéquipiers qui sont sur le banc et qui sont en tribune, c'est le tout donné, les gars. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de lever le pied. On n'a pas le droit de ne pas sprinter pour revenir défendre son but. On n'a pas le droit, les gars. À la fin du match, on a zéro regret. On donne tout. Vraiment tout. Plaisir collectif, plaisir de défendre ensemble, plaisir de courir pour mon partenaire, plaisir d'aller faire les prises à deux. Et puis pareil aussi offensivement, d'accord? Plaisir de libérer l'espace pour mon copain, plaisir d'attaquer le premier poteau. Prenez du plaisir, les gars. Elle est à vous, vous êtes allés la chercher, prenez du plaisir, les gars. Ça là, ça n'arrive pas tous les jours. Ne croyez même pas, ceux qui ont joué une CAN en Côte d'Ivoire, dans leur pays, peut-être qu'il y en a même qui sont plus de ce monde-là. Ça n'arrive pas, c'était en 84 si je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'il y en a ici qui étaient nés. Ça n'arrive pas à tous les jours de jouer une finale de Cannes dans son pays. Donc, pendant qu'on se rend sur le terrain, c'est un moment difficile. Là. Pensons ensemble, c'est une chance unique. On n'a pas le droit de passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Quand on revient ici, là, on vient à la coupe. Et c'est ce qu'on doit se dire tous ici. Ça, les gars. Ils veulent courir pendant 2 jours. On va leur montrer que nous, on peut courir pendant 7 jours. Allez, les gars. Oh, allez, les gars. Allez, allez, allez. J'ai jeté Sébastien Allaire pour faire vibrer pour une première fois. Le décalage maintenant en train. Décide qu'on va en rester là. C'est donc la mi-temps ici au stade Alassane Ouattara avec pour l'instant un peu contre le cours du jeu les Super Eagles du Nigeria grâce à leur capitaine William Trostekong qui mène 1-0. Continue, c'est bien, c'est bon. Hey. Continue de fixer, continue de fixer. Il t'arrache 10 fois, tu viens la 11e fois encore. Je sais pas, il va te laisser passer une fois. Les menés 1-0, c'est vrai, mais on commence pas à s'affoler. Ce qu'on a fait, en première mi-temps, on les a abusés. On les a fatigués. Le travail qu'on a fait en première mi-temps, il va nous payer en deuxième mi-temps. Mais on lâche pas, on s'énerve pas. Eux, ils vont commencer à rentrer dans la provoque. On s'énerve pas. On continue à jouer. On continue à jouer. Et ça va passer à tous les coups. C'est sûr. Ok, les gars, c'est sûr. On continue comme ça. Derrière l'efficacité, on n'est pas là pour le courrier. Même si tu dois mettre ton dos, tu le mets dehors. Ok? Solide, on est solide, on va égaliser, les gars. Si on compte cette fois, on va égaliser. C'est donc 2-1. Quelle capacité de réaction à des hommes des mêmes pays. Le final. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui en quoi 2 minutes que cela puisse se réaliser. Donc, imaginez-vous un peu. On va le faire. Allez, le coup franc de la dernière chance pour les Super Eagles qui est mal tiré. Et tranquillement dégagé par la tête de Jean-Philippe Crasso. Putain, d'Agnina!
C'est même pas de football, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. On sait pas ce qui peut se passer, toujours croire. Toujours croire. Et je pense qu'on gagne la CAN parce qu'on est revenu à la base. On a fait les choses avec humilité et derrière, on a la baraka avec nous parce que voilà, on a fait beaucoup de sacrifices ensemble.